Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que... Bon endroit. Là, vous m'entendez, oui. C'est bon, c'est bon. Allez, comment allez-vous, les gars? Donc, hier, il y a une nana qui a demandé de faire un challenge, de se filmer au boulot avec son badge. Bien évidemment, je ne vais pas révéler, ici, l'endroit où je travaille. Parce que je sais que vous, les Camerounais, vous êtes suffisamment débiles pour prendre d'assaut le standard des entreprises, pour aller raconter, pour aller ridiculiser, montrer à quel point les nègres, c'est les pires espèces de la planète. Donc là, je suis dans un endroit où je travaille, je demande mon badge avec mon ami. Voilà. Donc j'aimerais que Marlène en fasse de même. Hein. Vous voyez bien, je suis dans une zone industrielle, vous voyez, c'est des endroits où il y a des entreprises. Là, je suis devant la cantine. Là, je suis devant la cantine. Voilà, donc badge, Serge Mango, très bien, très bien. Et j'aimerais bien voir la même chose de la part de Woodson. J'aimerais bien voir ça. Hein. Donc j'aimerais bien voir la même chose de la part de Woodson. Parce que voilà, partagez le live, les gars, partagez le live. Même d'ailleurs, je tiens à rappeler à mon ami Woodson que même le voleur qu'elle a ramené sur sa chaîne, même le voleur qu'elle a ramené sur sa chaîne a présenté un travail. D'accord? Et donc, jusqu'ici, on attend toujours que Woodson nous présente un boulot. Et donc, c'est l'une des choses qui peut faire que je la lâche un petit peu. Si vraiment elle commence, si vraiment elle se filme en train d'aller travailler, je peux décider de la lâcher. Sinon, je vais m'asseoir sur elle tout le temps. Voilà. Donc, on fume les gens pour qu'ils deviennent meilleurs. Pendant longtemps, quand tu es dans tes lives, tu dis, j'ai des entreprises, je fais vivre les gens, blablabla, machin, bidule. Tu peux dire ça à d'autres. Tu parles tout le temps, tu mets les paroles des gens en doute, mais tu ne présentes jamais rien qui justifie toutes tes conneries que tu racontes. Comment dirais-je? Donc je recommence. Donc tu as demandé hier de se filmer avec un badge. Donc effectivement, j'ai repris le travail ce matin, et donc je te montre mon badge. Tu vois? Je te montre pas l'entreprise. Okay? Oh, je te montre pas l'entreprise parce que voilà, donc ça devrait suffire pour toi. Après, là où je travaille, il y a souvent des Camerounais. Il y a toujours un Camerounais qui travaille où je travaille. S'il y en a un qui juge, qui peut révéler là où je travaille, c'est libre à lui. Mais moi, voilà. Elle prépare. Oui, j'attends le scénario. On est très curieux de voir ça. Mais de toute façon, je la lâcherai pas. Sa tentative. D'ailleurs, si je la lâche, les gens vont me regarder comment. Les gens adorent que je fume vous tout. Et je vais fumer un bout de son rien que pour ça. Les gens adorent ça. Je suis bon en train de faire quelques revues là, en attendant que vous connaissez. C'est différent. Non, non, Tania. Pourquoi vous voulez que ça s'achève? Celui qui, à un moment donné, en amas, se déconnecte de la chaîne, c'est ça que je ne comprends pas sur vous. Est-ce que vous savez que vous êtes des êtres libres, les gars? Sincèrement, est-ce que vous savez? Bah, peu importe, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils ont vu l'entreprise en l'instant, je m'en branle. Ils peuvent même aller zoomer, faire. En fait, tu sais ce que je fais souvent une fille Pareto. Je fais semblant de cacher quelque chose pour donner l'impression que ça peut m'embarrasser. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est de leur donner le travail. Donc, c'est un peu indécent. Tu vois? Donc, comme ça, les mecs, ils croient que ça m'embarrasse. Ils font exactement, ils se concentrent dessus. Et ensuite, ils perdent le temps là-dessus, en fait. C'est comme l'autre jour. Parce que je disais mordicus, que le voleur n'a jamais piné la nana. Les mecs, ils ont cru qu'en fait, ça me tenait à cœur. C'est parce que, dans l'histoire, j'ai le témoignage de la nana. J'ai assisté à une conversation téléphonique entre eux. Et donc, c'était clair et net. Donc, quand je le dis, je suis sûr. Après, je peux pas vous apporter la preuve parce que j'ai assisté. Bah, d'ailleurs, la conversation, je peux vous la montrer aussi puisque la conversation est enregistrée. J'ai assisté à une conversation qui signe la preuve qu'il n'y a rien entre eux. Tu comprends? Je le dis mordicus. Mais ce n'est pas parce que je le dis que ça veut dire que c'est important pour moi qu'ils aient rien fait. Mon ami, on n'était pas ensemble quand ils l'ont fait. Donc, je m'en tape. C'est une nana qui est grande qui fait de son trou ce qu'elle veut. Donc, c'est parce que d'un côté, j'ai quelqu'un qui ment et je peux démontrer qu'il ment continuellement. Il ment constamment. Il ment tout le temps. Oh, j'ai fait des 10 000 de tcha-tcha. Tu peux faire 10 000, tu peux risquer ta la tôle pour 10 000 pour quelqu'un qui te donne rien. Tu es frappadingue dans ta tête, ben viens dans ce live, tu me réclames les thèmes colo. C'est très simple.
Ça veut dire, si c'est vrai le témoignage que tu as livré à Avoutou, ça veut dire que je te dois Ten Colo, mon frère. Quelqu'un, tu es là comme ça, là, une gamer, comme tu es là, bossé chez Lidl. Quelqu'un te doit Ten Colo, tu es là. Vous aimez soigner que vos mensonges là sont. Vous êtes des rigolos. Donc quand je défendais ça, là, tu avais les gars faisaient trop comme si c'était important pour moi qu'il n'ait pas piné l'anga. Mais même dans l'absolu, je rappelle que le propos de l'histoire, c'était les affaires de Tchatcha. Ce qui m'intéressait, c'était les preuves du Tchatcha. Je l'ai pilonné pour qu'il sorte tout ce qu'il avait. Et tout ce qu'il a sorti, c'est quoi? C'est les photos d'un week-end dont j'en avais parlé dans un live. Je vous ai dit dans un live qu'ils étaient partis en week-end ensemble avec le Tchatcha. Et que c'est ce qui m'avait poussé à vouloir démontrer à cette meuf que c'était le vol. Mais la fille m'avait dit. Parce que je vais vous dire un truc, hein. Quand le gars m'envoie les photos en 2020, il me dit qu'il a piné. Pour moi, c'est clair qu'il a piné. Je ne débat même pas là-dessus. C'est quand je discute avec la fille me dit que c'est faux. J'ai dit, mais tu es malade. Comment ça tu dis que c'est faux? Comment tu dis que c'est faux? Le mec que tu es parti, elle me dit, je te dis, nous sommes partis, ça, on n'a rien fait. J'ai demandé d'appeler le gars devant moi. Le mec ne savait pas que j'écoutais la conversation. Donc, j'ai eu la confirmation qu'il n'y a rien. Donc, quand je le dis, je le sais. Il peut partir maintenant, prendre les photos d'une autre gars, qui montre les photos de l'anga, lui en train de. Avec le visage d'anga, au revoir. C'est très facile après de balancer tout ça et peut-être d'aller prendre les photos d'une autre gars. Tu dis que c'est elle. Donc, j'ai eu la confirmation par l'appel téléphonique là. Alors, il y a un monde dans lequel l'anga l'appelle. Et lui demande de faire comme s'il n'y a rien. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est absolu. Hein. Je suis un scientifique. Je connais les limites des preuves que je présente. Donc, bien sûr qu'il y a un monde dans lequel les deux sont complices et mêlants. Ce monde-là existe, bien sûr, mais il est très peu probable. Il est très peu probable, quoi, parce que la nana a toujours eu du mépris pour lui. Donc, après, quand tu as un bébé avec une gâtée, l'anga va se consoler avec un raté. Ça peut arriver, quoi, voilà. Mais je ne comprenais pas que cette tentative vise à quoi? À montrer le gars en train de pratiquer le tcha-tcha. Il dit que moi aussi, je pratique. Voilà le lien. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Et du coup, comme ils se sont rendus compte que leur truc n'a pas marché, parce que même vous tous se rendent compte qu'il n'a pas marché, c'est pour ça qu'elle a commencé à parler de Eclamédia, de MST. Parce qu'elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Tu commences à parler des situations de manque. Donc, tu rentres dans ma vie privée de manque, mon frère. Donc, quand je manque, là, c'est toi qui as moi. Il fallait me dire depuis le départ que tu voulais qu'un vrai ingénieur te passe dessus. Il fallait tel ça depuis. Mais tu comprends que tu n'as pas le niveau. Au lieu de ça, tu vois un mec comme ça, tu te dis, putain, un Camerounais, comme ça, il est parti avec une blague. Et moi, je cherchais le statut, je me suis retrouvé avec un serveur de McDo. Je comprends ta frustration, Woodson. C'est pour ça que quand tu m'insultes, ça me fait rigoler. Tes insultes n'ont aucun fondement. Ça ne m'intéresse pas, ouais, le clan média. Nior se mêlait, ma chérie. Et quand je l'appuie, sérieusement, je vous pose la question, honnêtement. Vous pensiez vraiment me déstabiliser avec ça? Non, là, j'arrête de présenter. Les gars, vous me connaissez quand même sur les réseaux sociaux. Vous pensez vraiment, mais c'est bizarre avec ça. Vous croyez que vous croyez quoi? J'ai pilonné le gars parce que quand j'ai, pour ne rien vous cacher, quand j'ai expliqué avec le Jésus m'a dit que ouais, mais si tu l'attaques là, il risque de montrer le truc du week-end là, et les gens vont considérer que il s'est passé quelque chose entre nous. Et peu importe ce que tu vas dire, j'ai dit mon ami, je m'en fous, ça c'est ton problème. Moi je fume même Voutou, il s'est associé en Voutou. Maintenant, quand je demande de soigner les fréquentations, les gens ne soignent pas les fréquentations. Tu décides de fréquenter avec ce genre d'animal qui ne s'associe qu'avec des voleurs, c'est ton problème. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent tout d'un coup. Donc, je vais le pilonner. Donc, je peux monter en conversation, je vais dire à l'anga que je n'écoute pas. Oui, l'anga me disait de ne pas le pilonner pour qu'il sorte ça. Je l'ai pilonné pour qu'il sorte ça. Et il a sorti, et puis il s'est passé quoi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est lui qui est maintenant dans le commentaire, tu me dis, ouais, pardon, lâche-moi. Est-ce qu'on vient supprimer quelqu'un qu'on a mis à terre? Je peux vous montrer les commentaires. Allez regarder sur les commentaires. Il vient de taille, il me dit que gars, laissons la guerre. Parce que moi, je peux signer sur lui pendant 5 ans. Il ne me noie pas. Parce que les histoires qu'on essaie de salir le nom là pour déstabiliser là, les gars de la base, ils ont essayé ça Wakapa, man. Parce que ça ne peut pas Wakapa dans le sens que toutes les accusations à 2 balles, je peux plier ça en 4. Je peux plier ça en 4. C'est pour ça que ça me fait rire de vous voir parler. Quand vous croyez que quand je suis en vacances sur un bateau, je me mets en live, je monte sur mon bidon, vous croyez que c'est pourquoi d'après? C'est pour que vous causez, les mecs. Vous causez, vous êtes dans votre HLM et moi, je suis sur un yacht. Est-ce que vous voyez la différence, les mecs? Vous croyez que je me mets en live? Vous croyez que je sais pas que je le fais? Je sais ce que les gens font. J'ai vu la page Congossa, là, qui s'en donne à cœur joie avec des photos. Mais qu'elle se fasse plaisir. C'est exactement pour ça, Congossa. Je suis avec un bidon, mais sur un bateau, quand vous êtes en HLM pour me regarder sur le bateau, à votre avis, quelle situation est enviable? Sérieusement. Quelle est la situation la plus enviable? Moi, sur un bateau avec la famille, quand pendant que vous êtes en HLM, en train d'arpenter le Congo sur les réseaux sociaux, quelle est la situation la plus enviable? C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence d'interaction entre le white et nous. Quand un white voit le genre de vacances que tu as là, il ne peut pas douter de tes origines. C'est-à-dire que quand nous on arrive en vacances, déjà quand les gars y a la bagnole,
apprends les gangs et les activités que tu fais, ils comprennent que tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un ne peut pas te dire, tu ne peux pas dire là-bas, je suis un jeu, quelqu'un dit, pouf, pouf, pouf. Chez vous, vous êtes tellement débile que vous arrivez à décolorer ce qu'il y a dans votre cerveau et la réalité que vous voyez. On appelle ça en psychologie cognitive la dissonance cognitive. Quand la réalité vient souvent fracasser votre jeu, je ne vous facilite pas la vie. Vous voulez vous inventer des mondes à deux balles, mais à chaque fois, avec les éléments que je présente, ça ne vous facilite pas la vie. Et il faut juste être un décérébré. Il faut juste être un décérébré. Là où je vais en vacances, Gary Gaëtan ne peut pas aller en vacances. Marlène, même si elle veut faire semblant, elle ne peut pas y aller. Vous croyez que qui aime rester chez lui pendant l'été? Qui a envie que l'été, tout l'été passe, que les voisins ne les voient pas remplir la voiture en crédit qu'il doit en vacances? On est en Belgique, les amis, on n'est pas au pays. Qui a envie de ça? Quand vous voyez les gens rester, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Tu crois que là où je go, n'importe qui peut go? Tu crois que quelqu'un qui vit de fraude, de machin, peut go là-bas? Tu vas vivre là-bas comment, cher ami? Tu vas vivre là-bas comment? Donc, c'est des questions qu'avec un WhatsApp, ça ne se pose pas. Quand moi, j'appelle des endroits, même, par exemple, je prends le cas où quand j'avais voulu bailler la voiture de ma coco, j'ai seulement appelé là-bas, j'ai donné mon truc, on a envoyé la fiche de paye. Ça s'est fait en 5 minutes. Le concessionnaire, il a pris acte, ça s'est fait en 5 minutes. C'est comme ça qu'on nous traite sur le WhatsApp. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que ce genre de considération qu'on a dans la vraie vie, tu envoies un petit mail à ta banque, tu dis, je veux acheter une voiture à 60 000, il me faut 40 000. T'en as une qui te dit, j'ai une offre pour 50 000, l'autre te dit, je te donne 45 000. C'est ça, les statuts. Vous croyez que les conneries sur Internet où les gens prennent les captures d'écran sur le ventre, ça peut enlever ce genre de privilèges que j'ai dans la vie? Ça s'appelle la crédibilité, mon ami. Je dis que quand moi je vais bailler la voiture à quelqu'un, j'ai pas seulement un coup de fil, je les appelle. Et c'est ces règles-là, voilà ça. Le Watt n'a pas ce PB-là. C'est sur Internet que les écervelés ont ce genre de PB. Le Watt, tu lui dis, j'étais en vacances à tel endroit, il sait déjà que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu arrives quelque part, même en vacances, que tu dis, je suis descendu dans tel village de vacances, on dit, ah oui, quand même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on sait. Il y a des codes. Les gens qui prétendent avoir les codes, ils te disent, c'est pas la marque de la Bible. Ça, c'est débile comme truc. C'est pas de la marque de la Bible. Vous êtes des villageois. Oui, écoute, non, mais il faut comprendre vous tout. Vous toi, essayez les marabouts. Elle-même, elle vous a dit qu'elle dormait avec mon nom. Elle m'a dit qu'elle a écrit mon nom dans la Bible. Elle voit rien ne se faire. Elle voit le gars est en vacances. Peut-être qu'elle a même prié que je me noie là-bas. Elle a vu les vidéos. Elle voit qu'avec mon bidon, ça me sert de bouée, je sais nager. Elle, mon bidon, quand je tombe dans l'eau, je flotte. Donc, elle comprend que c'est pas là-bas que ça va se passer. Elle dit que j'étais au tribunal. Elle voit que ça ne donne rien. Donc, maintenant, la galère en est maintenant au niveau où la galère maintenant au niveau où elle demande à des voleurs de s'en prendre la main. Sauf qu'on vous tout, ton voleur, il est venu me supplier de laisser tomber. Ça fait déjà 3 commentaires où il écrit là-bas que ouais, pardon, laisse comme ça. Donc, ça veut dire qu'il lui-même, il est conscient que tout ce qu'il a tenté là, il s'est mis à risque pour rien. Bénéfice nul. Je dis encore une fois, quand bien même il aurait piné le Jésus, c'est un homme, c'est un être humain, et l'engagé a une charte. Et l'engagé par une mort. Donc, il peut piner comme il veut, même s'il a piné dans tous les coups. Mon problème là-dedans. En quoi ça signe le tcha-tcha? Parce que c'est avec ça qu'il pourrait me faire montrer que non, Serge Anango poursuit les voleurs sur Internet tout le temps, mais il aime bien le gratuit. Dans ma vie, une fois que j'ai voulu piéger quelqu'un, si j'étais quelqu'un qui pratiquait ça, tu crois que ça ne serait pas déjà sorti? On vous connaît, vous n'êtes pas fiable. Le voleur, il a toujours de la sympathie pour un autre voleur. Ça veut dire que depuis le temps que je fume les gens, quelqu'un sera venu sortir des bêtises pareilles. D'autant plus qu'à votre différence, je peux prendre tous les voyages que j'ai faits. Je vous dis, ici, j'ai voyagé en voiture, j'ai le télépéage. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? J'ai le télépéage sur ma voiture. Donc, tous les voyages que je fais, c'est sur le télépéage. Donc, les voyages que j'ai fait en voiture, pour partir de Nantes à mon boulot, parce que depuis que j'ai ma belle voiture, il y a des moments où je fais la route en voiture, je peux te démontrer ça avec le télépéage. Les voyages que j'ai fait en TGV, tu peux avoir tout. Tu as toutes les semaines sur mon truc. Donc, si jamais il y avait quelqu'un même qui avait une preuve qui était compromettante, qui me disait que voilà la preuve d'un billet que je vais envoyer tel jour en Nantes et Paris, je peux te démontrer que le même jour, j'ai bailli le billet. Donc, c'est pour ça que je dis qu'allez fabriquer tout ce que vous voulez, allez déformer tout ce que vous voulez. La finalité, c'est que je sais comment vous coincer. Et quand j'apporte des réponses, c'est pour des gens rationnels, c'est pas pour des écervelés qui vont toujours voir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils comprennent? Quand vous avez quelqu'un qui vient mentir et que vous démontrez qu'il a menti à plusieurs niveaux, qu'il a même menti à la victime, si vous voulez croire toujours à son témoignage, c'est votre problème. Si vous avez envie de dire, oui, il a menti ici, il a menti là, il a menti là, mais moi, je décide qu'il dit vrai quand il dit qu'il a filmé. Mon frère, je ne discute pas avec des gars comme toi. Tu crois ce que tu veux. Ça ne reste que dans ta tête. Est-ce que quelqu'un peut décider un matin parce qu'il croit que je ne suis pas ingénieur, ça m'enlève mon travail d'ingénieur? Donc, je me pose sincèrement la question. À quel moment quelqu'un, en décidant de croire ce qu'il veut, ça peut m'enlever mon travail d'ingénieur? À quel moment? À quel moment, parce que tu décides de croire, c'est que les bêtises que tu as envie de croire, tu vas m'enlever mon boulot d'ingénieur? À quel moment?
À quel moment? Donc tu peux croire ça fort, même tu peux même intensifier la croyance. Tu dis, jamais, je ne vais jamais croire. Je m'en branle. Je m'en branle. Ça ne change rien à la réalité. Le réel, c'est ce qui persiste même quand tu sais d'y croire. Vous êtes un peuple irrationnel. Et c'est pour ça que l'Afrique n'avancera pas. Quand on voit les gens qui nous payent cher, ils nous payent cher, ils ne discutent pas. J'arrive comme ça, on m'appelle, je dis, écoutez, je travaille pour vous, si vous me faites un TGM à 600 balles. Donc c'est 600 balles ou rien. Le gars dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Il va, il dit, ok, il appelle sa hiérarchie, il vient, il m'appelle, il me dit, oui, Serge, j'ai vraiment poussé parce que je sais que tu as un profil qui est bon. J'ai vraiment poussé pour que la hiérarchie accepte de te laisser à 600 balles. Voilà, je crois que, mais nous, voilà ce à quoi on a droit. Vous, vous venez sur Internet parce qu'on vient se mélanger avec vous, vous croyez que vous pouvez répéter une bêtise, ça devient vrai. Juste que j'ai même vu des idiots qui disent, ça, on t'en dit pas, on passe dessus. Mais, non, mais quand même, hein, on est un peuple d'irrationnel. Je comprends. C'est, le réveil va être rude. Le réveil va être long. Vous pensez vraiment qu'on va oublier tout ce que j'ai dit sur Marlène et qui, pour lequel elle n'apporte aucune réponse? J'ai dit, je ne lâche Marlène que quand elle me prouve qu'elle a une activité qu'elle a suivie pendant un mois. C'est-à-dire qu'elle va au travail continuellement. On a la preuve, à la fin du mois, elle nous présente une fiche de paye. D'accord? Là, ça veut dire qu'elle a compris ce qu'on lui a dit. Parce qu'il faut aller travailler. Tu n'es pas venu en banque profiter l'héritage d'un pauvre blanc. C'est minable. Toutes les accusations que tu fais aux autres, on a bien vu que ça se vérifie en toi. Je profite du what? Je suis au chômage. Je suis en HLM. Je vis des aides. Je vis de fraude. Je manque sur les diplômes. Tout ça, ça se vérifie sur toi. Donc, la dernière date que tu as trouvée, c'est quoi? Quand tu dis, je suis un kikiné, je crois que c'est l'un de ton mec qu'on voit. Si ton mec était viril, tu peux pas être en direct à 3h. Tu as vu une des bengas en live à 3h du matin. C'est moi qui fais parfois des lives, je reste à 3h du matin. Hein? C'est moi qui fais des lives, je reste à 3h du matin. Et encore, c'est périodique. Tu as vu, tu peux voir une des bengas fin, là, jusqu'à 3h du matin. Tu es malade dans ta tête. Donc, quand tu dis Kikine, c'est le mec, c'est le jour de, c'est le truc de ton mec, tu vois. Quand tu dis tcha tcha, tu es en train de dire que c'est ce que tu as fait. Et tout ce que tu voudrais, c'est que je te ressemble. Mais il n'y a aucune chance, ma cocotte. Je suis né avec la valeur travail. Je suis né avec la valeur mérite. C'est ce que j'ai inculqué à mes frères et ils le rendent à merveille. Que ce soit à mes frères, que ce soit aux gens comme Stella. Tu arrives en France, tu travailles, tu y arrives. Stella travaille, elle a acheté sa maison. Elle a sa maison. Elle peut te sortir les papiers de sa maison. Et toi, t'as quoi? Et toi, t'as quoi? Je vous ai montré la maison de Stella ici. Toi, tu as quoi? Rien. Tu viens en HLM avec un vieux blanc. Stella, elle a acheté sa maison seule. Même pas en ayant besoin de moi. Elle a acheté sa maison seule. J'ai dit bien seule. Seule. Tu viens avec un vieux blanc. Ton projet, c'est venir en Europe. Vivre avec un mec qui a 32 ans, il fait 75 ans. Et profiter de son SNIC. Et venir ouvrir ta gueule. J'ai des entreprises au Cameroun. J'emploie les gens. Si tu employais une seule personne, tu aurais déjà monté sa fiche de paye sur Internet, connasse. Tu montres les vieilles clés de voiture. Tu montres des vieux trucs. Tu montres des trucs qui n'ont aucun sens. Tu montres des comptes où le dernier virement, c'est en 2012. Tu as une entreprise au Cameroun et tu ne transfères jamais l'argent pour l'utiliser en France. Tu montres une carte bancaire. Tu dis que seuls ceux qui gagnent 500 000 francs CFA au Cameroun peuvent avoir ça. Mon ami, l'argent qu'on envoie à notre petite soeur, bien que l'argent que Platini et moi, on envoie à ma petite soeur qui était au Cameroun, qui est maintenant au Canada, c'est 400 000. 400 000. C'est ce qu'on lui envoyait tous les mois. Je te montre le monnaie. Ma soeur, je lui envoie l'argent que par Western Union. Parce que les Sendwave, là, c'est pour envoyer d'autres. Ma soeur n'aime pas Sendwave, je sais pas pourquoi. Mais je lui envoie l'argent par Western Union à travers le compte de Platini. D'ailleurs, je rentre dans le compte de Platini. Tu verras que les cartes bancaires qui sont, c'est celle de Platini et celle pour moi et pour Nelson. On utilise tous au compte de Platini pour envoyer l'argent à ma soeur. On peut vous, j'allais dire que vous bavardons, vous prouvez tout ça en deux balles. Et ça vous cloue le bec. Parce que vous comprenez, vous êtes des inutiles. Tu montes une carte bancaire, tu dis que seul ceux au Cameroun qui gagnent 500 000. Ma soeur, elle avait 500 000 parce que entre les loyers des vieilles maisons de mon père, mon papa a laissé des pauvres maisons à Yaoundé. Et à Foumbot, tu recoltes les loyers de ces maisons. On n'a jamais compté dessus quand on donne l'argent à ma soeur. Tu recoltes les loyers de ces maisons-là, ça fait facilement 75 000, plus les 400 000 qu'on lui envoie. Ma soeur, elle vivait presque à 500 000. Elle avait de l'argent de l'usure, elle avait de l'argent qu'elle gagnait, dans lequel prêtait aux tontines. Ma soeur, elle avait presque 5 millions issus du défunt, de la prévoyance de mon petit frère qui est décédé. Elle a mis ça comme argent qu'elle prêtait à la tontine. Rien que ça, ça lui ramenait 125 000. Ma sœur au Camer, elle pouvait approcher facilement les 700 euros mois. Et tu viens sur Internet, tu montes une carte, tu dis que tu es milliardaire, tu montes une carte, tu dis que seuls ceux qui gagnent 500 000. Et les gens te suivent avec ça. Ils te suivent avec ça parce qu'ils voudraient que tout le monde soit raqué comme toi parce que tu es menteur. On a la preuve que tu as zéro diplôme, on a la preuve que tu n'es rien. Et tout le monde voudrait que tu sois comme toi. Jusqu'à ce que les pages de Congossa, la page de Fashion Congossa, pendant qu'on a dénoncé les mensonges de Marlène, elle a fermé sa gueule. Et vous allez comprendre, hein, les Congossa, je ne suis pas sûr, je vais vous dire un truc. Les gens qui ont les pages de Congossa, je ne crois pas qu'ils soient malhonnêtes. C'est des vendeurs. Par contre, dans l'espace camerounais, qu'est-ce qui est plus vendeur sur les réseaux sociaux?
Fais une page en faisant la promotion du travail, comme c'est la page SATV, puisqu'ici le travail prime. On ne critiquera jamais quelqu'un qui travaille sur SATV. Jamais. On ne fera jamais l'apologie d'un voleur, quel qu'il soit, quel que soit l'argent qu'il a. On ne fera jamais son apologie. Tout voleur sur cette chaîne a la cote zéro. Donc, nous, on fait la promotion du travail. Par contre, les pages qui font la promotion du vol, qui font la promotion de l'escroquerie, qui font la promotion de tout, de la malhonnêteté, mais ils ont la cote. Pendant qu'on a fumé Marlène en affichant sa vie de malhonnête, de menteuse, de mythomane, les gars étaient calmes. Depuis que je mets mes photos, ils prennent mes photos, ils montent mon ventre. Mais vous croyez que j'ai fait ça pourquoi? Je vous ai dit que la meilleure santé de vie, c'est avoir de l'autodérision. Tu comprends? Il faut accepter que le temps a les effets sur nous. Et je n'ai pas le temps d'aller dans des salles sportives comme vous. Je n'ai pas que ça à foutre. Je n'ai pas que ça à foutre. J'ai du pognon à gagner. Et je préfère avoir un bidon avec le salaire que j'ai que d'avoir les tablettes de chocolat. Je peux vous donner un homme. Vous prenez une fille là. Il y a des filles. Désolé les gars, signalement, signalement en masse, mettez les cœurs les gars, les gens signalent le live. Les gens signalent le live. Donc j'étais en train de dire que, non, non, c'est, vous pensez que je fais ça pourquoi d'après vous? Vous croyez que ça me dérange? Je me suis filmé ici en montant des jeans percés en sachant que vous allez parler dessus. Vous ne pouvez rien faire. Il y a rien, vous allez toujours utiliser des éléments comme ça débiles pour dire, il fait un live avec un jean, le trou est percé, pourtant il dit qu'il gagne tant, donc il ment. Il portait des t-shirts qui valent 5 euros, donc pourtant il ment. Non, il y a personne qui a un argument logique pour dire non. Sérieusement, je pense que Serge Anango n'est pas ingénieur parce que j'ai un frère qui a ce qu'il avait lui, il était nul en maths, et puis tout le temps, j'attends quelqu'un qui doit venir me chercher. Putain, où est-ce qu'elle est passée celle-là, putain. Donc voilà. Donc, vous n'avez pas d'argument logique. Je suis allé dans un live hier chez Patricia. J'ai demandé à quelqu'un quelle est la preuve que je ne suis pas ingénieur. Elle a commencé à me parler du fait que j'insulte trop les femmes sur Internet. J'ai dit, c'est ça ta preuve que je ne suis pas ingénieur. Donc, vous voyez, c'est ça qui est assez rigolo. Donc, vous pouvez répéter, 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 ça ne changera rien. Donc, je disais encore ici que les Camerounais, ils aiment les pages qui font la promotion de la médiocrité. Ils ont mis quand même en scène. On a quand même vu des pages sur Internet mettant, me présentant en héros. Un voleur, simplement parce que ce voleur-là, on pourrait l'utiliser pour croire faire mal à Serge Anango. Mais en faisant ça, vous êtes compromis moralement, les gars. C'est pas Serge Anango que vous avez attaqué. Je vais toujours vous pousser à aller loin dans l'ignominie. À cause de la haine contre Serge Anango, les gens de là-bas sont soutenus le viol. Ce viol les a coûté cher. Le soutien des gars là, envers un violeur, ça les a coûté cher. Demandez aux gars de la base. Eux-mêmes, ils ont commencé à faire des lives pour dire, on aurait dû gérer ça autrement, on aurait pu prendre le temps d'eux, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Parce que je dis, je ne lâche pas. Quand je suis dans le droit chemin, je ne lâche pas. Je peux tenir comme ça pendant 5 ans. Je peux pilonner un voleur, une voleuse, peu importe les conneries qu'on va dire. Je vous dis, vous ne pouvez rien avoir de compromettant sur moi parce que c'est moi qui vous donne ce qui est compromettant. Et je vous dis encore que, pauvre Marlène qui a cru qu'en affichant la fille, moi je vais vous dire, moi ça me va qu'elle affiche la fille, que le gars affiche la langue. C'est bien fait pour sa gueule. Parce qu'il y a souvent un gars qui tu parles et croit qu'elle maîtrise. Tu lui dis, mais soignez-vous. On te dit, non, mais Serge Anango, tu insultes trop les gens sur Internet. Tu crois que tout le monde dans la vie est ingénieur comme toi. Tu crois qu'on est obligé de fréquenter les ingénieurs comme toi. Oui, mais en attendant, un ingénieur, il peut pas prendre ce genre de risque d'aller t'afficher tes photos en peignoir sur Internet pour raconter des bêtises. Déjà, si je commence à afficher les gars, quel gars va encore venir me draguer? Je suis un mec, je suis l'un des gars les plus dragués sur Internet. Mais je vous dis, je suis l'un des gars les plus dragués sur Internet et je vais vous poser un challenge. Vous êtes des femmes qui regardent en commentaire. Prenez le mec de Salomène, là, parce que je vois souvent les petites vidéos du mec de Salomène. C'est un sportif. On est d'accord ou pas? Il est sportif, il est musclé, il est tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il est membre en bas. On le met et on met Serge Anango. Vous choisissez qui? Ça, c'est une question sur laquelle je vais conclure avant qu'on ne vienne me chercher. Parce que faites vite rapidement. J'attends quelqu'un qui doit venir me chercher là. Normalement, la personne aurait déjà dû venir. Mais où est-ce qu'elle est passée, celle-là, putain? Donc, je vous pose la question. Vous prenez le mec de Salomène. Vous mettez sur Internet. Vous mettez Serge Anango. Vous demandez à Marlène de choisir. Prenons Marlène. Je vous dis sincèrement. Marlène, on lui dit, voilà deux personnes. Celui que tu choisis, c'est ton mari à vie. Elle choisit qui? Je vous pose la question ici. Vous prenez le mec de Salomène. Il est sportif, il est musclé, il est tout ce que tu veux. On le met. On prend Serge Anango, on le met de côté. On dit, Marlène, choisis. Tu choisis un gars, c'est ton mec à vie. Elle va choisir qui? Elle va choisir qui? Non, je vous pose la question. Elle va choisir qui? Non, mais répondez honnêtement, même ceux qui sont menés, elle va choisir qui? À un moment donné, hein, le relativisme débile qui consiste à faire croire que on peut changer la réalité dans sa tête et tout, ça se fracasse à gueule quand on est face à la réalité. Elle va choisir qui? Répondez vous-même. Elle va choisir qui? Non, je vous dis à un moment donné, il faut arrêter votre délire. Soyez des hommes rationnels. Soyez des hommes rationnels. Comprenez? C'est pas comme ça que vous évoluez. Apprenez à vous remettre en question, travaillez. Vous ne pouvez pas soutenir. Quand vous soutenez le vol parce que vous détestez une personne, c'est vous qui vous compromettez.
Vous avez plein de gens de la base aujourd'hui qui sont clairement en difficulté. Ils ne peuvent plus prendre des positions morales sur un certain nombre de sujets. Ils ne peuvent plus parce qu'ils se sont compromis. Quand tu vois Marlène, hier soir finalement, Marlène commençait à traiter le gars de voleur parce que sans doute les gens lui ont dit que mon frère, tu ne peux pas mettre le gars là comme un héros sur ta chaîne. Dans sa vidéo, elle a commencé à traiter le gars de voleur. Je suis arrivé sur sa chaîne, elle m'a pas pris. Alors que toute personne que je fume ici demande la parole, je lui donne. Je suis arrivé sur sa chaîne, elle a refusé de me prendre. Pourquoi? Parce que quand je prends la parole, c'est elle qui dirige. J'aurais aimé prendre la parole, je disais, on parle diplôme, face à face. On parle diplôme. J'ai dit, mais oui, tu veux parler diplôme à cocotte. Ben allons-y, parlons de diplôme, madame. Parlons de diplôme. Je suis tout à fait disposé à faire ça. Tu vas me demander, pose-moi les questions sur les miennes. Et tu me dis, à quel moment, par un argument rationnel, quelle est la connaissance que tu me contestes? Vas-y, elle va bégayer. Quand elle m'a au téléphone, est-ce qu'elle peut parler de diplôme? Elle fait des trucs pour vous entretenir, vous êtes des chèvres, vous finissez par répéter. Je vous dis que Marlène, sachez que tout ce qu'elle traite les autres d'elle, c'est exactement ça. Quand elle parle des mauvais payeurs, des gens qui vivent à... C'est elle qui est partie vivre 22 mois dans une maison sans payer de loyer. C'est pas moi, hein. Moi, je ne dois aucun loyer à personne dans ce pays, ni même au Cameroun. C'est même ma sœur dans la maison, dans l'appartement qu'elle loue, qui est plus luxueux même d'ailleurs que celle d'un Vutou. Elle est à jour des loyers. Elle est à jour des loyers. On ne doit rien à personne. On paye. Tu comprends ça? Alors, quand tu as une Vutou qui traite tout le monde exactement de ce qu'elle fait, je vous garantis que cette femme, quand elle va au Cameroun, quand elle voyage, elle utilise des cartes volées. Comment elle peut connaître des voleurs? Vous savez pourquoi je connais le gars là par rapport à une affaire de passeport. Vous savez comment je connais? J'aimerais bien même d'ailleurs, il m'a dit ici qu'il peut monter dans mon live. Ça serait intéressant, Charles-Emmanuel. Viens dans un live. D'ailleurs, si tu veux que j'enterre ça comme tu m'as demandé, tu viens dans un live, on se parle. D'accord? Tu peux venir te confesser, tu dis, ok, je sais que j'ai un peu menti, je croyais que ça pouvait te faire quelque chose, mais je me rends compte que c'est pchit, comme disait Chirac, ça a fait pchit. Et donc, je demande quand même la reddition. Peut-être que je peux t'écouter, te lâcher un petit peu. Parce que moi, je te dis, quand je tiens un abruti, je le tiens pendant très longtemps. Très longtemps. Je suis une censure, mon gars. Je suis une censure. Et toutes les accusations à deux balles, les mensonges, ça ne m'a jamais déstabilisé. Et c'est pas là que ça va commencer. Pourquoi? Parce que les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Même parfois, ils ont mon boîte, tu comprends. Ils vont peut-être rester en retrait. Mais ils savent que ça ne marche pas. En revanche, il y a des irréductibles. Ils vont commencer par, tu as le kikinette. Ensuite, quand ils peuvent s'accrocher sur le diplôme, ils disent, tu manques sur ta profession. Après, quand ils peuvent s'accrocher sur le tcha-tcha, ils disent, tu es un tcha-tcha-man. Quand ils voient que ça ne tient pas, ils reviennent à tu as le kikinette, tu as le bidon. Donc, ces gens-là, par défaut, ils détestent et ils cherchent les prétextes pour justifier. On ne peut rien faire pour ces gens, c'est des malheureux. Ces gens sont foncièrement malheureux, fondamentalement malheureux dans leur vie. On ne peut rien faire pour eux. Tu viens sur Internet avoir le guard de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui ne te gère pas. Et tu es heureux, quoi. Moi, je n'ai pas que ça à foutre. Donc, je disais tantôt, oh là là, mais putain, on va être en retard. Là. Donc, je disais tantôt que, Woodson, si tu veux que je te lâche, ok, parce que même si je vais avoir peu de temps pour m'occuper de toi, mais de temps en temps, comme ça, des petits lives de 40 minutes pour rappeler que tu es une voleuse, machin, ça ne mange pas de temps. Tu finis de manger, le temps de digérer comme ça là, à la terrasse du restaurant, tu finis de manger et tu fais un petit live pour rappeler que Woodson est une voleuse. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Tu vas aller travailler, madame. Tu vas aller travailler, tu vas montrer ta première fiche de paye. Et c'est là que je peux envisager de te lâcher. Mais sinon, je ne te lâcherai pas. Et je peux te tenir comme ça un an. Si tu crois à un moment donné que tu peux utiliser les subterfuges pour oublier, je serai tout là pour rappeler que tu es une menteuse. Par quoi tu es passé? Je serai là tout le temps pour ça. Ce n'est pas compliqué, hein. Je sais seulement dire tout ce que tu as prétendu être avant et ce qu'on a établi que tu es maintenant. J'ai juste à rappeler ça tout le temps. Ça finira par rentrer au crâne des gens. Comme j'ai fait avec les gens de la base. Ça finit par rentrer à la tête des gens. Les mecs de la base, à un moment donné, se sont dit, putain, c'est une mauvaise idée d'aller contre Serge. Eux-mêmes, ils ont fait des lives pour le dire. Je suis une censure, mec. Je suis une censure. Et je vous ai dit, le malheur que vous avez, c'est que je n'ai pas peur de mes défauts. Je n'ai pas peur de mes défauts. Oui, j'ai un défaut, j'aime les femmes. Et alors? J'ai volé quelqu'un, je ne suis pas un violeur. Les femmes aussi même. J'aime les femmes et je pense que les femmes, même plus que les femmes, j'aime les femmes. Parce que je peux vous dire, hein, quand on voit le nombre de femmes que vous voyez avec, si je tirais sur tout ce qui bouge, je serais en centaines. Ce sera en centaines. Même hier, là, quand un vouto a affiché mon numéro, j'ai eu 3 personnes qui m'ont écrit pour me demander l'argent hier. Je crois que j'ai montré une des captures, là. Parce que l'idée, c'est les autres, leur nom. Les autres, le nom était très flagrant. C'est-à-dire que même un vouto qui affiche mon numéro pour dire que je suis un tchatchaman, chômeur, voleur, blablabla. Les gens vont là-bas pour dire, ouais, Serge, pardon, je suis malade, j'ai besoin de ton aide. Quelqu'un qui dit que j'ai un projet, là, de fin d'études. Il me faut telle chose pour pouvoir finaliser mon projet de fin d'études d'ingénieur au Cameroun. Les gens m'appellent. Vous pensez que vous trompez même les gens du Cameroun. Même les gens du Cameroun, ils savent, quand ils regardent, ils voient la crédibilité. Tu as affiché mon nom pour prétendre que je suis au chômage. Les gens m'appellent. J'ai dit, des gens m'écrivent pour me demander l'argent. J'ai mis 2 captures, je crois, dans les commentaires pour montrer que, regardez, tu m'as mis dans les problèmes.
Maintenant, les gens, comme ils ont mon numéro, ah oh, putain, mais où est-ce qu'elle est passée? Bon sang. On va être en retard là. Donc les gens m'appellent, quoi. Les gens me collent. Donc voilà. Donc c'est pour dire que tu n'es pas crédible. Et on va continuer. Donc chaque fois que j'aurai 30 minutes, 20 minutes devant moi, je vais venir rappeler que tu ne travailles pas et que tu bavardes sur Internet. Tu vas travailler. Tu as demandé qu'on fasse le challenge. Badge. Tac, tac, tac. Voilà le badge. Et si tu me, et ce qui est quand même rigolo, c'est que dans une vidéo, tu me demandes le bulletin du mois d'août, madame. Tu es con ou tu fais exprès? On est le 19 août, tu me demandes le bulletin de salaire du mois d'août, tu es malade dans ta tête? Je comprends pas ce qui t'arrive. Tu en dirais quand tu demandes tes chèvres, ton cerveau, il se met en pause parce que même les basiques que n'importe quel ignorant connaît, tu ignores. Même les basiques, tu ignores. Tu demandes le bulletin du salaire du mois d'août en mi-août à quelqu'un? Oh, montre-moi le bulletin parce que tu as vu le bulletin des autres mois. Mon premier bulletin que tu as vu, tu as dit que l'entreprise est une entreprise d'intérim. Tu allais regarder sur Internet. Après, tu as dit que non, avec nos capitales, le gars ne peut pas me verser un tel salaire, machin, bidule. Tu disais que le salaire, c'est 5 000. Il me verse le salaire en deux fois, c'est 8 000, madame. Et je te l'ai montré sur mon compte. C'est 8 000. Tu comprends ça ou pas? Il me verse au moins 8 000 tous les mois. Il me verse en bulletin de paie 500. Il y a un profit. Il y a ce qu'on appelle le profit share qui vient après. Ça fait 8 000 en cumulé. Quand je dis revenu, je te parle de ce qu'on verse sur mon compte qui est disponible pour mon pouvoir d'achat. C'est pas ce qui est écrit sur la fiche de paie. Ce qui est écrit sur la fiche de paie, c'est 5 000. C'est rien, ça. C'est rien. Il faut regarder tout ce qu'on verse sur mon compte. Le profit share, tu sais ce que c'est ou pas? Quand tu travailles pour des entreprises de conseil, que tu as un salaire, que tu as un bénéfice qui vient de l'activité, qui est lié à l'activité, tu connais ça ou pas? Tu connais pas. Donc tu étais déjà en train de dire, une entreprise ne peut pas avoir 5 000 de chiffre d'affaires et elle paye un ingénieur 5 000. Mais mon frère, elle paye 8 000, connasse. Donc même ça, tu refuses de voir. Pourtant, je t'ai montré les deux versements sur le compte. Tu as bien vu Take Contract, tu as bien vu Tink. Tu vois, tu as bien vu Tink. Tu as vu les deux. Tu me demandes, moi, tu crois que quand je. Donc, pour toi, on va en vacances quand on est au chômage. Quel gars peut aller en vacances au chômage, il dépense comme j'ai dépensé là. Mon frère, tu as envie de dépenser et rentrer voir les courriers qui t'attendent? Quel gars peut aller en vacances? Et même si j'étais même au chômage, tu connais l'argent que j'ai de côté? J'ai au moins de quoi voir venir un an de chômage en gardant le même niveau de vie. Je te dis, j'ai au moins un mois. Je dis, j'ai au moins un an. Voilà. Donc, les gens attaquent le live. Et donc, je pense qu'il va falloir que j'y aille. Donc, je vous dis, je vous pose une question là. D'accord? Marlène, si tu dois choisir entre Gaëtan et moi à vie, oh mais Gaëtan, mais Serge en anglais, dans un monde où tu choisis celui que tu choisis, tu l'as à vie, tu choisis qui? Hein? Et j'attends ton boulot. Tant que tu n'as pas de boulot, je vais te pilonner, tu comprends, non? Si tu as d'autres gangsters qui veulent te rendre service, c'est le moment qu'ils t'appellent. S'il y a d'autres tchatchamans qui m'ont fait des cartes volées, je ne sais pas moi, pour 40 000, pour 50 000, qui te collent, c'est le moment. Sinon, rendez-vous à la prochaine fois où j'ai 30 minutes, probablement ce soir, pour vérifier si tu as bien travaillé ce soir. Donc, on va vérifier à la fin de la journée si tu as vraiment travaillé. Et voilà, je te souhaite une excellente journée. J'ai la personne que j'attends, qui est Jean Visu. J'arrive dans 2 secondes. À tout de suite. À très bientôt. Bye bye.